Entre Madrid, Berlin, vivre dans les capitales de la nuit. Errance sans alibi. Si tu étais une icône, Marianne Faithfull. Si tu étais un rythme, je serais quand même plutôt pour les rythmes punk. Si tu étais une ville, Bangkok. Si tu étais une saison, j'aime beaucoup l'automne. Si tu étais un instrument, une flûte de pan. Si tu étais un reproche à te faire, c'est d'avoir mis autant de temps à unifier les deux personnages, peut-être. Si tu étais ton avenir, mais je suis mon avenir. Et enfin, si tu étais le plus beau compliment que tu pourrais te formuler. Que j'ai pas trop mal vieilli. Sur les murs de ma chambre, il y a 1000 visages. Et j'ai fait des collages pour les rendre moins sages. Je me suis même passionnée à tout leur échanger. La bouche et puis le nez, c'est vraiment à pleurer. Et Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean a le sourire de Marilyn. Il y a eu quelque chose quand même de très fort, hein, tout de suite avec cette chanson dyslexique, ce look un peu inattendu dans le cliché des chanteuses françaises qui étaient toutes assez classiques. Très vite, tu es consacrée aux enfants du rock. Sans doute que je correspondais à une attente. Je suis née aussi de deux artistes qui ont ouvert la porte avant que j'arrive, qui sont Bachung et Charlie Couture. Quand je regarde les images des enfants du rock dans ce casque de voiture, où je cours avec un casque de moto sur la tête, avec mes musiciens qui courent tous avec un casque de moto, ils avaient mis en plus ils m'avaient mis dans un casque de bagnole, ils faisaient un froid de canard, c'est Catherine Barma qui produisait ça, et je devais jouer des chansons au piano, j'avais tellement froid que j'avais mis des gants, et à la fin j'avais des moufles. Parce que c'était bien, ouais, je correspondais pas. Il y a un côté un peu lunaire comme ça. Que tu as créé? Ben, au départ, c'est un personnage ou une créature? C'est une créature. Je suis une créature. Est-ce que cette créature, tu as eu envie de la tuer? Ah oui. Oh oui, je la fous à la poubelle à peu près une fois par semaine. Le personnage Buzy, la créature Buzy, elle a été au sommet de son expression conceptuel, factuel, avec la rencontre avec Bertrand Lepage, où là, si tu veux, le trait a été super poussé entre les cheveux, le texte, le body physical sex, etc. À la recherche d'un paquet de clopes, je t'aille dans pas de bombe. Pas de bol pour un paquet de blondes. J'irai dans la zone des rayottes. La fièvre. Stripteaseuse asiatique, massage peu catholique. Stripteaseuse asiatique, massage peu catholique. Body, body, physical, sex and rock and roll. 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 Body, body, une dollar. Madrid, Berlin, vivre dans les capitales de la nuit. Compte à rebours, vivre pour l'amour.
un autre aspect de ta vie que j'aimerais bien qu'on éclaire un peu plus, c'est ta relation à Gainsbourg. Il y a une vraie relation artistique. Je lui avais présenté un texte qui s'appelait « I love you, Lulu » où il s'était reconnu alors qu'au départ, je n'avais pas du tout écrit pour lui. Il y a eu vraiment un malentendu. J'ai écrit ça pour un garçon qui s'appelait Lucas et que j'appelais Lulu. Et Gainsbourg s'appelait Lulu, mais je ne le savais pas. Donc, j'étais allé lui présenter ce texte-là. Moi, très naïf, tac-tac, bonjour, c'est moi, Vizy, j'ai un texte, il a vu Lulu, tout, là, il me regarde. Ah, c'est bizarre, quand c'était petit, il m'a appelé Lulu. Voilà. Quand on est devenu pote, évidemment, il y avait vraiment des choses. Il y a beaucoup d'échos entre nous. Et j'ai pas réussi à attendre ou être suffisamment carriériste, encore une fois, pour le forcer à composer la musique et à attendre en lui disant tous les jours, alors est-ce que tu me le fais cette musique là sur mon texte. J'étais tellement emballée par le fait d'être en permanence avec Gainsbourg, il m'appelait toutes les heures à 5h du matin, j'ai un mot au fort. Tellement emballé que moi j'étais seul piano toutes les nuits et je l'ai composé le titre et je lui dis regarde, non seulement je l'ai composé mais en plus j'en ai fait une autre, elle s'appelle Gainsbourg. Et lui il a écouté, il a dit ouais c'est super, il lui a dit j'ai plus besoin de composer, mais il a été super gentil, il a dit moi je vais te les réaliser, je vais venir en studio et je vais les réaliser pour toi. Et donc la collaboration artistique, elle a plus été de me filer un coup de main en studio pour les arrangements et le mixage et pour faire ma pochette de disque. Coup de bambou, coup de pain, je rencontre Gainsbourg. Coup de bambou, coup de pain, une drôle d'histoire. Après l'Asie, qui l'aurait cru, chez le roi des tordus. Après l'Asie, qui l'aurait cru, j'atterris convaincu. Je me suis toujours demandé, est-ce que tu aimes ta voix? Je la détestais quand j'ai commencé. Il se trouve que Jean-Louis Fouquier m'a dit, c'était ma première émission sur dyslexie, qui m'a dit, mais comment on peut réussir avec une voix pareille? Et à l'époque, je me trompais de tonalité. Elle se composait comme ça, c'est pas, je jetais mes doigts. Je savais pas ce que ça voulait dire qu'une tonalité, donc c'était suraigu. Et au fur et à mesure, évidemment, des années, d'abord la voix a pris du grain, du grave. J'ai bien aidé, hein. Et puis j'ai trouvé mes tonalités. Et là, ouais, j'aime ma voix, ouais. J'aime ma voix parce qu'elle ressemble à la voix de gens que j'admire énormément, que j'admirais quand j'étais adolescente. À savoir Jeanne Moreau, Marianne Faithfull, etc. L'horizon se fasse, tu manges. Pour trouver ton arbre, grandir avec lui. Pour trouver ton arbre de vie. Reste au départ, de la façon dont je l'ai commencé, quelque chose d'extrêmement ludique, un besoin d'expression émotionnelle, créative, etc. Mais ce n'est pas lié à quelque chose qui doit amener de l'argent, qui doit être rentable. Ça l'a été, tant mieux pour moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais je ne pense pas en ces termes. Extravagants furent nos voyages,
cerf-volant, chevaux sauvages. Incandescents furent nos orages. Trop pluie, trop vent, trop plein de temps. Au bord de la rue. 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 Même désir idem, fut reconnu, toi et moi, nous voir. À feu, à sang, déjà perdant. Trop pluie, trop vent, trop plein de dents. Au bord de la rue. Au bord de la rue. Au bord de l'aube. Au bord de l'aube. Au bord de l'aube. Ça n'a jamais été franchement difficile d'être une fille pour moi dans la musique. Franchement, non. Je veux dire, c'est ce qui est difficile, c'est de vivre en permanence avec des hommes. Parce qu'il y a quand même très peu de filles qui font de la basse ou qui... Et de vivre en permanence avec des hommes, soit en tournée, soit en studio, ça. À la longue, c'est un peu... Tu vois, c'est un peu fatigant. Côté fascination pour les losers magnifiques. Oui. Ah oui, évidemment, ma fascination pour Daniel Darc, c'est bien ça. As-tu vécu des choses trop fortes, des fulgurances à temps centième, pyromane déguisé en pompier, dis-moi qu'est-ce que tes poètes préfèrent. Seul le rock'n'roll ne mange jamais. Sous le soleil de l'an 2000, poète perdu, modern style, sautant dans le cerveau du ville, environ périr. Del Doratos, un rêve qui sauve. Nos nuits seront-elles fauves en l'an 2000? Que j'ai pas tant d'ambition que ça. J'ai pris longtemps que j'avais de l'ambition et je pense que je... Bertrand me disait tu n'as pas assez d'ambition, Bertrand Lepage, tu es beaucoup trop bédoniste, tu es beaucoup trop... Il faut toujours que tu nous fasses des plans, il faut que tu t'éclates toi, t'as qu'un mot à la bouche, j'avais qu'un seul mot à la bouche, mais il faut s'éclater et c'est marrant et on fait ceci, on fait cela. Jamais à se poser de questions si tout ça était rentable ou si tout ça était, comment dire, je veux dire,
bien managé par rapport à une stratégie de carrière. Je ne pense pas que je sois quelqu'un de destructeur. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de constructeur. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de me faire m'enfermer dans un système, que ce soit un système musical, que ce soit un système de couple, que ce soit que je n'ai absolument jamais voulu appartenir à aucun système. J'ai un mot sacré en moi qui est le mot liberté. Et j'ai payé tous les prix possibles et imaginables pour garder ce mot intact comme je l'avais dans la tête quand j'étais adolescente. Oh my sweet little dream, non, n'oublie pas de dire, nous vieillirons facile dans des voitures de sport, des hôtels super hype, des palaces de carton. Ça va nous coûter trop cher de s'amuser pareillement. C'est trop bien. On a déjà payé le prix de toute façon. C'est bon. Ah, voilà, j'ai payé la note. J'ai payé la note. Maintenant, on extra. Des hauteurs super hype, des palaces, des cadeaux à jouer perpétuellement avec la vie, avec le vent. Un brin adolescent, moins de phare, moins de frime, nos 50 excellents, sans la peur du doux. Oh my sweet little dream, on trouvera le plan, ce qui pousse en avant. Tandis incandescent, ta vie est un roman? Bien sûr. En quoi c'est un roman? Bien sûr, mais je suis une créature, je te signale. Bien sûr, ma vie est un roman, j'ai tout fait pour que ce soit quelque chose qui soit anormé, à vivre des choses assez délirantes. Ouais, ma vie est un roman. Mais je pense, maintenant avec le métier que je fais, c'est que chaque vie est un roman. Tu as peur de vieillir? Vieillir, c'est perdre sa fraîcheur, pas forcément physique, mais sa fraîcheur mentale, son enthousiasme dans la vie, son élan, son être blasé en disant oh là là, encore un ministre, il faut encore aller faire un interview. Finalement, c'est vraiment plus marrant toutes ces conneries. J'ai dit, si je ne prends pas de plaisir sur scène, j'arrête ce métier. C'est un mot, parce que j'avais extrêmement peur, j'avais un trac fou. Et j'étais très très mal derrière, et quand je suis montée sur scène, au bout d'à peu près une minute et demie, j'ai senti un truc de plaisir, et donc j'ai dit bon,
right time, the right place. Quoi. C'est bon, tu vas bien, tu vas gourer, ok. Et comme les oiseaux croisant vos idéaux on transite sur la terre à repousser l'enfer. On rit à plein poumon à tuer nos démons. Et nos rires sont comme des papillons, des bulles d'oxygène, des ballons contre la haine, contre l'ennui. On rit parce qu'on est en vie. Léger dans ce monde lourd, bruyant dans ce monde sourd. Libre nos électrons, détruisent l'interdiction. Font l'école buissonnière des chemins de lumière. Et nos rires sont comme des papillons, des bulles d'oxygène, des ballons contre la haine, contre l'ennui. On rit parce qu'on est en vie. Léger dans ce monde lourd, brillant dans ce monde sourd. Livre nos électrons, détruise l'interdiction. Détruise l'interdiction. On se réveille le matin en héros de demain.